Ok, car. Coucou. Oh putain, coucou mes chéris, start. Bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô, c'est Barbie Chétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1879e review de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du tout, puisqu'il s'agit non pas de réussir, sauvegarde réussi, ok, mais de Virtua Tennis 2009. Ouf, on a les options, on va baisser le son. On va voir peut-être les coups. Le lob est en haut, ça va. Le slice est à droite, le lift en bas et le carré normal. Ok, vibration. Oui, on va mettre oui. Ah ben oui. Audio. La musique, on va la baisser parce que je sens que c'est de la merde. Au putain, on peut choisir. Et. Kilomètre, sauvegarde en cours. Voilà. Donc j'ai le Virtua Tennis 1 ou 2, je sais plus, sur Dream Coast. J'y ai très peu joué. Tout le monde dit que c'est très bien, tant mieux. Donc là, je vais voir. Moi, je vais toujours vous le comparer à Tennis sur Game Boy. Et peut-être à Jimmy Connors Pro Tennis Tour sur Super NES. Match Exhibition, joueur 1, paramètres avancés. Jeu décisif, serveur haut. Si quoi, serveur, ordinateur facile. Il n'y a pas s'il fait beau, je sais tes matchs. Bon, on va faire un petit truc simple. Allez, prépare-toi. Qui ont choisi? Alors, les petits personnages. Federer, Joko, mon bébé. Alors, est-ce qu'il y a un Muster? Nalbandian Blake, Ferrer, ouais, d'accord. Hanschick, Thomas Haas, Ferrero, oui. Lui, je crois que j'avais fait un match. Moi, je sais même si les matchs avec bon, les meufs, c'est horrible. Je supporte pas, j'ai aucun respect pour les oh putain, Mauresmo. Pour les, je veux dire, leur jeu, je veux dire, c'est pas, ah, Mauresmo, on dirait un mec, ça je m'en fous, ça c'est de la merde, c'est un argument zéro. Je veux dire, au niveau de la, je veux dire, durabilité, sur le long terme, les meufs, elles gagnent, à part les Vénus, à part les Sœurs Williams, ou quelques-unes sans, je sais plus comment, Steffi Graf et tout, toutes elles gagnent un grand chelem, et puis après c'est fini, quoi. Donc, je prends Joko, mon bébé. Et je vais prendre Roddick, je sais plus, Roddick, Nalbandian. Ah ouais, lui, c'est pas mal, lui. Par contre, il a eu des problèmes d'alcool, ou je sais plus, peut-être de maladie, mais lui, j'aimais bien son jeu. Il faisait penser à Munster. J'ai vu comment il s'appelait, Joko. Ouais, les filles, je trouve, sur le long terme, on la voit une fois, et après, elles explosent. Bon, c'est vraiment chiant, quoi. Tu peux pas t'accrocher. Salut, c'est Jojo, vite fait. Alors, ça se joue. Oh putain, à la manette. Alors, le truc, c'est quand on a mis le bouton, un lob, hop là, un lob, oh, putain. Quand on laisse appuyer sur le bouton, le bonhomme ne bouge plus. Et là, on peut régler la direction du tir. Ça, j'aime bien. Oh putain, attention, ouais. Bon, en fait, il faut pas. Là, je vais appuyer sur bas. Ah mais on peut jouer à la manette ou. Double faute, fais pas le con. On dirait Macron quand il fait oh la voix là, horrible. Ah, je vais faire diagonale au gauche. Bon, je comprends pas en fait. Putain, oh, tu t'y arrives, oh, c'est quoi là? Oh, Joko là. Avec rond. Voilà. Hop. Eh ben, réveille-toi. Hop, la volée. Oh putain. Oh putain, elle court. Eh merde. Joli. Putain, je l'ai surpris là, le Nalbandian. Non, graphiquement, c'est pas dégueu. Hein. On est sur PS3, bien sûr. Le rendu, bon, je trouve que ça apporte rien en fait. Oh putain. Ouais, je trouve bon, peut-être plus réaliste visuellement, mais. Moi, au niveau des. Oh putain, j'y tiens, ah, tes doubles fautes. Là, j'appuie sur rien. Mais après, je vous dis, est-ce que les combats, les trajectoires, oui, sont peut-être un. Pff, moi, j'ai pas spécialement de plaisir à jouer à ce jeu. Je trouve graphiquement, ça me plaît pas plus que ça. J'avais testé, je sais plus, Top Spin, je sais plus du tout. Ouais, voilà, bon, c'est pas très crédible là. Il a passé la balle entre les jambes. Je vois pas la différence entre le carré et le rond là. Ouais, je vois pas.
Oh putain, j'ai une musique qui n'a aucun. Allez, ça c'est format. Ça me gâche le jeu, c'est Sega qui a fait le jeu? Oui, bah oui, je suis con. Putain, quand il fait oh, on dirait que c'est la voix de Macron. Ouais, ça fait trop. Là, c'est plus arcade, hein. Parce qu'on laisse appuyer la balle. Et en fait, il se. Attendez. Un petit lob. Ouais, prends ça. Passing décroisé. Passing décroisé extérieur. Mais c'est plus beau. Mais après, je vous dis, moi, c'est pas spécialement si fun que ça. Hop. Ah oui, je vais essayer d'appuyer sur bas, pardon. J'essaie d'appuyer. Là, j'appuie sur bas. Et là, je réappuie sur haut. Est-ce que la balle va plus loin ou pas? Est-ce que ça joue? J'essaie là. J'appuie sur haut là. Et là, j'appuie sur bas. Ouais, ça se joue vraiment à rien. J'essaie de faire un lob avec haut. Et bouge. J'ai fait un lob avec haut, un lob avec A, ça marche pas. Alors qu'il y a des jeux genre Pete Sampras sur Mega Drive. C'était super. Plus simulation parce que. C'était ce sous vraiment, on mettait plus à gauche, on laissait une demi-seconde de plus, c'est très très. Là, je trouve que ça n'apporte rien. Visuellement, on se dit ouais, c'est beau, mais les sensations de jeu, pas spécialement. Et puis par rapport à la PS3, on s'attendrait à bien mieux. Vous jouez, je suis sûr, sur la version Dreamcast, elle baisse ce jeu, je suppose. Allez, on va faire du man game. Allez, rentre chez toi. Je vois pas la différence entre les. Ouais, là, j'ai appuyé tout à droite. Et en fait, mon bonhomme est parti tout à gauche parce qu'en fait, il est aimanté par la balle, quoi. En fait, il y a un côté Wii Sports. En fait, on n'avait même pas besoin d'aller à droite et à gauche. On faisait que taper et le bonhomme bougeait tout seul. Ben là, c'est pareil. Quand on appuie sur le bouton, c'est lui qui choisit la direction. Alors, là, je vais rester là. Et j'appuie sur. Ah, ouais, allez. Je bouge pas mon bonhomme. Et en fait, il y va de suite. Je touche à rien. J'appuie. Ah, il faut, donc pour rater la balle, je ne sais pas comment il faut faire parce qu'il faut. On est à peu près. C'est pas un jeu où il faut être super sur la trajectoire. Alors peut-être que ça on peut mettre différents gameplays, mais en gros là, ça fait plus penser à Mario Tennis où c'est plus le côté fun. Donc je vois pas d'intérêt. Puis les bonhommes finalement, ils sont statiques. À vouloir faire trop réaliste. Oh putain, on voit que on n'y croit pas trop. Ouais, je suis plutôt déçu. Allez. Voilà. Il n'y a pas de différence entre le bouton R carré. Ouais, non, je vois pas. Hein. Moi, quand j'appuie sur carré, machin et tout, je vois pas de différence d'aspect. De. Alors là, je vais essayer avec carré. J'appuie à droite. Oh non, je vois pas de différence entre le carré. Et je vois pas comment. On fait de puissance. On peut pas faire une puissance avec R ou L. Oh non, mais c'est nul quoi. Et on peut même pas faire une balle courte avec bas. C'est ça que je vais expliquer. Il y a des jeux genre Jimmy Connors Pro Tennis Tour. On faisait ça. On gérait l'effet de type de type de frappe. Et après, on choisissait si on voulait l'envoyer loin derrière, au fond de court ou devant. Là, il n'y a même pas ça pour un jeu de 2009, quoi. Je vous dis, rejouer à Tennis sur Game Boy et à Pro Tennis Tour, par exemple. Super Tennis, il me plaît parce que ça me rappelle, je l'avais allé. Mais finalement, quand on voit le gameplay de Pro Tennis Tour, il est beaucoup plus classe et beaucoup plus beau en plus, ce Pro Tennis Tour. Mais c'est que Super Tennis sur Super NES, il a un côté choupinou qui peut plaire, mais après, une fois le pad en main, bon. Ouais, je suis déçu de ce jeu. Hein. Je vais pas y rester longtemps. Ah, le bip, il est mal fait. Attendez. Est-ce qu'il y a. Putain, il n'y a même pas des options de différentes caméras. Alors que les jeux sur PS1 et les jeux tennis, c'est genre Power Serve. Je vous ai testé des jeux de tennis, mais c'était bien sur PS1, c'est qu'on avait le. Ben, c'était 3D, donc ils se sont dit on va faire plein de caméras différentes. Ça peut faire plusieurs gameplays pour le même jeu. Là, et putain, il n'y a que cette vue. Oh putain, d'accord, j'ai rien dit. J'appuie sur Select. Alors là, vous avez le mode Amazing David Cranes, Amazing Tennis. Je vais vous montrer. Voilà, là, c'est David Cranes, Amazing Tennis, avant l'heure. Ou après l'heure plutôt. Voilà, c'est la voix de Macron.
Et donc, vous avez une caméra, deuxième, voilà, un, deux, que trois caméras. Là, c'est mieux, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est là qu'on se rend compte que voilà, la balle, elle a fait un. La balle est venue vers moi, j'ai l'impression qu'elle a reculé et qu'elle est revenue en avant. Alors, je vous mets avec une autre caméra. Voilà, ça. Mais je trouve que c'est vraiment pas agréable. Hein, le. Pour jouer avec les droites et gauches, on voit pas de différence. Hop. Là, allez, je vais taper que à gauche. Même quand on est à gauche, regardez, on est à gauche. Et on veut faire un passing à gauche, la balle ne sort pas, elle reste bien. Donc le jeu est trop simple, quoi. Dans Pete Sampras Tennis, dans même Super Tennis, quand tu es tout à gauche et que tu bombardes à gauche, le passing il va dans le couloir. Alors que là, il est passé direct, quoi. Ouais, franchement déçu, hein. Il n'y a pas grand-chose de. On va voir s'il n'y a pas des modes de jeu fun, mais là, comme ça, je trouve que c'est pas assez. Un bel emballage et au bout du gameplay, c'est vraiment pas top, quoi. Jouer. Alors, on peut faire quoi comme mode de jeu? Ah ben voilà un jeu, menace alien, les kikilles, curling, oh ça, le compte est bon. Les blocs, oh que c'est moche les blocs, regardez-moi ça, ils sont même pas en raccord avec le truc. Goûter, oh il y a crocodou. Attention. Billard, putain c'est même pas raccord. Course en folie, jeu de bidon. Oh putain, attends, menace alien. Attendez, moi je veux le truc avec, avec mes poteaux, voilà, avec lui. On va voir ce que ça fait, mais plutôt déçu. Hein. On va prendre Roger. Allez. C'est qui, t'entends? Quoi, cette tête? Oh putain, là, oh, la porte. L'image en bas, là, sur l'avatar, elle n'est pas son meilleur, quoi. Ils ont pas trouvé une photo, elle était gracieuse un petit peu. Non, cette, mais là, ils ont fait exprès, la pauvre l'INSEE, quoi. Ah, 1m89 quand même, hein. Allez, Roger. Protège les gens contre les alligators. Ouais, d'accord. Les alligators, ça c'est les méchants ou des gentils? Je sais plus trop. Ouais, il y a des dents. Alors. Il y a un regard gentil, mais il a quand même des dents. Crocodou n'a pas de dents. Parce qu'il a peur d'aller chez le dentiste et il a peur de faire mal. Il faut faire quoi là? Oh putain, c'est qui ce méchant là? Il faut viser le sa tête. Et là, il n'y a qu'une vue, il n'y a pas de caméra. Il faut faire quoi? Boum! Ah voilà. Boum! Roger. Ben, il se dépêche pas, il met du temps, il faut taper. Oh que c'est même. Dépêche-toi, oh ça va, me donne pas des ordres, c'est eux qui ont qu'à sortir plus tôt aussi, ces cons là. Mais c'est tout, c'est quoi? Dépêche-toi, il me dit, vas-y toi. Ils sortent pas les alligators, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Quand ils veulent, hein. Eh ben putain. Prends ça dans ta gueule, hein. Putain, en plus il faut. C'est mal fait la hitbox, même quand on vise pas sur lui. Tout à gauche là. C'est quoi ce truc? Je bombarde tout à droite et ça va pas plus. Putain, mais même quand on fait un lob. Non, le jeu est vraiment pourri. Hein. Et ça va, oh! Il touche pas. D'accord. Oh, que c'est fun, que c'est drôle. Les gigots d'agneau. Allez! Putain, mais dépêchez-vous! Oh putain, c'est bon. Hein. Hop! Putain, branle-lui le cul, lui! Et prends ça, oh, me touche pas à ma viande! Aïe! Quel fun! Touche-moi pas, c'est bon!
Aïe. Je crois que c'est le bouton rond que j'arrive le mieux à viser ce que je fais avec les touches droite et gauche. Mais c'est pas clair. Hein. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh, me parle pas comme ça. Oh, purée. Bon, allez, hop. Oh, putain, horrible. Bon, décevant ce jeu. Alors, je vous rassure, je l'ai eu à 1. À 1 euro. Bon, alors, je l'ai trouvé dans les poubelles. Je ne sais plus. 1 euro, j'ai dû l'acheter. Parce qu'en plus, le boîtier est abîmé. Oui, j'ai dû faire à 1 euro. Parce que des fois, il y a des promos. Sauf qu'il y a un jeu, je ne sais pas quoi prendre. Et avec ça, alors, j'ai pris en plus pour avoir les 4 autres jeux qui étaient sympas. Genre Tekken et compagnie. Option. Ouais, en tout cas, je vous recommande pas celui-là. Hein. Gardez celui sur Dreamcast parce que ça n'apporte rien. Pas très amusant. Les échanges et tout, les trajectoires, c'est trop simple. Il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a que comment ça s'appelle, les services où là, on appuie à peine sur la croix directionnelle et la balle sort. Mais après, quand on est dans le jeu, c'est que des autoroutes et c'est que des trajectoires précalculées. On tombe toujours peu ou prou aux mêmes endroits. Donc, c'est débile, quoi. À la rigueur, même Sega... Superstar Tennis, je sais pas quoi, parce qu'ils avaient fait aussi un jeu Sega, c'est mieux fait quoi. Sur ce, ciao Pépito, pour une prochaine vidéo, à plus mes puces.